Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un très beau Tiguan. On est sur un véhicule qui a un petit peu d'âge puisqu'il est de 2016, mais vraiment avec une sublime configuration et seulement 107 000 km. Donc on est sur une base d'un Cara exclusive gris tungstène avec le pack airline extérieur et vous allez le voir. Une bardée d'équipements, puisque là, donc le pack airline lui apporte le look avec ses pare-chocs proéminents, les bas de caisse peints, bien entendu. Donc, vraiment quelque chose de très très chouette. Hein. Ça change vraiment le look du Tiguan. Le véhicule a également les jantes en vin Suzuki qui rajoute encore un petit peu au look, bien entendu. La couleur, c'est le gris tungstène. Donc, on a des projecteurs full LED avant et arrière, bien entendu. L'assistant feu de route, un toit ouvrant panoramique. Les vitres arrière surteintées sont livrées sur cette version Cara exclusive de série. La double sortie d'échappement, le pare-choc airline également à l'arrière. C'est une version 4 motion, donc très rare, 4 roues motrices, avec le 2 litres TDI 150 chevaux et la boîte automatique. Le hayon est bien entendu électrique sur cette finition haut de gamme Cara exclusive. Donc le système d'accès et de démarrage est également sans clé. Hein, avec un système de double plancher qui s'ouvre sur les caissons de base de l'Hi-Fi Dynaudio. J'y viendrai après. Donc là, il y a l'Hi-Fi Dynaudio sur ce véhicule. Et beaucoup plus rare, une roue de secours Galette. Le véhicule possède des poignées de rabattage rapide pour les sièges arrière, des petites accroches sacs également. La lumière est prise 12 volts dans le coffre, bien entendu. La fermeture du coffre se fait tout simplement avec ce petit bouton-là. Les places arrière sont très confortables. On a beaucoup de place. Vous voyez, c'est ma place, la place conducteur actuellement. Ce qui veut donc dire qu'on a une belle place aux jambes. La place du milieu est un petit peu juste pour un véhicule de ce gabarit-là. Donc, on reste sur du 4 places et demie. Je précise que la banquette coulisse en un tiers, deux tiers. On retrouve des clims arrière, là, que vous pourrez régler ici. Voilà. L'intérieur est cuir, bien entendu, c'est le cuir Vienna sur la version Cara exclusive. Donc le pack airline est extérieur seulement, on n'a pas les badges R sur les sièges. Voilà. Le siège conducteur comme le siège passager est un siège électrique à mémoire avec le réglage lombaire électrique également. L'Hi-Fi Dynaudio, bien entendu. À l'intérieur, alors c'est très germanique, hein, très carré, tout est bien à sa place, mais l'intérieur qui est très très bien fini. Hein. Voilà, et cette couleur gris tungstène qui lui va vraiment super bien. Puis, je vais me répéter, mais le pack airline y est pour beaucoup, hein, parce que le look est vraiment très très sympa. Ça change beaucoup. Un Cara exclusif tout court sans le pack airline, ce serait forcément beaucoup moins sympa. Voilà. Donc, très belle calandre devant. À l'intérieur, allons-y. Donc, vous voyez, 2016, 107 000 km, vous pouvez en l'occurrence voir que le véhicule est en parfait état. Les quatre vitres électroniques, les rétroviseurs électriques et rabattables. Un petit bouton pour ouvrir le hayon arrière électrique. L'assistant feu de route qui est ici, tout simplement. Système de démarrage avec le bouton start par ici. Donc on retrouve la manette du 4 motion pour les modes de conduite qui va nous servir également à régler les modes de conduite en eux-mêmes. Hop, j'enlève l'Hi-Fi. Par ici, vous retrouvez donc le tableau de bord digital. L'affichage tête haute un petit peu plus haut, je pense que vous ne le voyez pas très bien. Je vais essayer de faire en sorte de voir si on peut le voir. Alors là, on le voit un petit peu mieux. Le cockpit numérique, donc où on aura notre GPS qui va s'afficher dedans, bien entendu. Le régulateur de vitesse est adaptatif. Les palettes au volant. Au niveau des aides à la conduite, on retrouve le line assist, donc le franchissement de ligne. On va retrouver également le side assist, le rear assist, donc c'est l'assist en sortie de stationnement. Et le front assist, donc le side assist, c'est tout simplement, je vais vous montrer en le désactivant, toc, hop, toc, et je vais le réactiver. C'est ce petit point orange dans le rétroviseur qui va vous signifier que vous avez une voiture, un vélo, une moto dans l'angle mort, tout simplement. Le système de navigation, donc c'est le Discover Pro, en l'occurrence là. Donc on le reconnaît puisqu'en fin de compte on peut avoir les cartes GPS des deux côtés, on n'a pas à choisir si on l'avait d'un côté ou de l'autre. Boîte automatique DSG7, le parc assist pour les stationnements, l'aide au stationnement automatique, l'appel à tout moment de la caméra 360, puisqu'on a la caméra 360 sur ce modèle-ci, le frein main électrique avec l'assistant démarrage en côte bien entendu, climatisation automatique bizone avec les sièges avant qui sont chauffants. On retrouve l'Apple CarPlay, l'Android Auto, les prises USB, le Bluetooth.
les radios, bien entendu. Enfin, un équipement, une dotation qui est vraiment, vraiment complète. Encore un haut-parleur d'Inaudio par ici. Donc, le véhicule a 107 000 km. Il est de 2016. C'est un 4 Motion de l'ITDI 150 chevaux. Car exclusif avec le Packerline. Donc, le toit panoramique, des sièges magnifiques. Un équipement pas du tout daté. Il est complet. Hein, vous voyez, affichage tête haute, régulateur adaptatif. Et j'en passe. C'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'équipements. Tout est dedans. Voilà. On peut presque dire que tout est dedans. Donc, c'est vraiment très, très bien équipé. Et c'est vraiment très bien fini, ça vieillit très bien et le véhicule est vraiment dans un super état. On a l'assistant feu de route avec les codes phares qui vont gérer tout seul, bien entendu. Bref, une dotation qui est vraiment, vraiment, vraiment complète. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu et vous a aidé dans votre future recherche, peut-être d'un Tiguan. Alors, je m'excuse, j'ai un mauvais réglage. Voilà, ça ira mieux. De votre futur Tiguan 2, voilà, vraiment un très beau véhicule, vous pouvez le voir, ça vieillit bien, c'est plutôt très chouette. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, et vos commentaires seront les bienvenus. À très bientôt, au revoir.